Apoloa qui était à 60 apiculteurs pour aller jusqu'à 200 personnes aujourd'hui, ce qui nous a permis de quitter 900 kilos de miel pour aller jusqu'à 3 tonnes. Et on a embauché deux personnes qui nous ont aidé à faire chiffre d'affaires près de 6 millions. Avant, j'étais le seul apiculteur dans le réseau BES. Mais lorsque je vois que je ne peux pas satisfaire le marché seul, ça me fait réunir tous les apiculteurs qu'on travaille aujourd'hui. On travaille ensemble, on partage ensemble, on transmet l'information ensemble. C'est ça qui m'a donné heureux aujourd'hui avec mes d'autres apiculteurs. Le gros problème de l'apiculture dans les collines aujourd'hui, c'est le déboisement. Et avec les sensibilisations des élus, on a déjà reboisé 60 hectares. Nous, on espère d'ici l'an 2020 qu'on va jusqu'à 1 000 hectares.